Good morning, Aleid, en étude aujourd'hui, le Nishmat, Mouvi Rabbi, Shmuel, Ben Shlomo Zalman, Shalom, Binyamin, Ben Mazal, ainsi que l'Urfouat, Rafael Zulun, Ben Chaimania, Myriam, Bat Rassida, Dov, Ben Yehudit, et Sarah, Bat Betirifka, Tor, Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez la communauté éternelle. Nous étudions Masechet Choulin, Perek Yud, Mishnah Gimel, Bechor, Shenit Arev, Bemea, Bizman, Shemea, Shochatin, Et Kulan, Potrin, Et Kulan. אחד שוחט את כולן, פותרין לו אחד. השוחט לכהן ולנוכרי, פטור מן המתנות. המשתתף עמהן צריך שירשום. ואם אמר חוץ מן המתנות, פטור מן המתנות. אמר לו אחד, אמר מכור לי בני מאה של פרה והיו בהן מתנות, נותנן לכהן, ואינו מנקה לו מן הדמים. לקח ממנו במשקל, נותנן לכהן, או מנקל לו מן הדמים. ça y est, on attaque concrètement l'ilchot des matanot du Kohen. Matanot, c'est les dons qu'on doit faire au Kohen lorsqu'on égorge un animal profane, tous les animaux qu'on égorge pour la consommation personnelle. On doit donner le zroa, le chayaim, ve keiva. Keiva, c'est l'estomac. Zroa, c'est le pied, la main droite, d'accord, la patte avant droite. Et les chayaim, on avait dit, c'est toute la mâchoire avec la langue, ce sera mieux expliqué dans les prochaines mishnayot. D'accord ? Il y a maintenant, donc c'est trois choses qu'il faut donner à chaque fois qu'on gorge une bématroline. J'ai vérifié entre parenthèses, c'est bien sûr d'actualité, on le fait encore à notre époque en théorie, et il y a malgré tout, vous imaginez bien avec la consommation phénoménale, industrielle qu'on a aujourd'hui quand on va égorger des animaux, quand on égorge des 500 animaux, c'est énormément d'argent tout ça. Et il y a des trafics ilkhatim, des trafics, il y a des solutions à tolérer ilkhatiquement pour amoindrir l'enjeu. Si ça vous intéresse, très rapidement, il y a tout d'abord le top, c'est que lorsqu'on va égorger chez les goïms, comme c'est fréquent à notre époque, on va en Argentine, en Uruguay ou en Amérique du Sud, c'est plus fréquent. Là-bas, c'est parfait parce que il y a un accord avec le vendeur des animaux qu'on acquiert que les béhémotes qu'on va... Concrètement, on fait en sorte que l'animal il reste au goy, et comme ce qu'on va prendre dans notre Mishnah justement, tant que l'animal est au goy, on n'est pas tour des Zroalachem et Keiva. Donc on joue avec des règles, des lois à l'Afrique de Choshen Mishpat, en fait, pour définir que l'animal il reste pour le moment au goy, donc ça fait moins de pertes. Moins de pertes, si on peut dire, je ne sais pas si c'est... Bon, c'est comme tout, c'est comme le Eter Mechira, et c'est comme le Eter Iska, et c'est comme toutes sortes de permissions qu'on va faire, qu'il y a des moyens de contourner les halakhot, en jouant sur les définitions exactes des statuts des objets à qui ils appartiennent. Ça, c'est une première solution. Deuxième solution, par contre, lorsqu'on égorge en Israël, en général, où les animaux appartiennent à des juifs, alors il y a un certain jeu qu'on fait avec un Kohen. C'est qu'on va faire en sorte, en fait, qu'on va trouver un Kohen sympathique, qui a envie de gagner, sur 200 animaux, qui a envie de gagner 2000 shekels. Ça lui fait une petite rente sympathique qui lui rentre par mois. Vous imaginez bien que Zroa l'Ephraim Mekeiva, ça coûte de l'argent, ça pèse lourd, bref, vous avez toute la mâchoire, vous avez une langue, je sais pas, ça pèse 3-4 kilos une langue, à raison de 60 shekels le kilo, il y en a pour peut-être 200 shekels de viande là-dedans, ou 250 shekels de viande, idem avec le bras droit, c'est beaucoup de viande, et aussi la keiva. On a donc un petit trafic en fait qu'on fait avec le Kohen, c'est qu'on trouve un Kohen sympathique, qui a envie d'avoir une petite rente fixe, qui lui tombe tous les mois, et on lui dit comme ça, tu sais ce qu'on va faire? On va faire pour chaque animal, je te vends les trois parts à 10 shekels, par exemple, nettement inférieur de ce que ça coûte. Excuse-moi, je te les donne les parts, mais on fait un accord tacite, qu'ensuite, une fois que tu les as reçus, tu es sympa avec moi, tu me les revends à 10 shekels. On a le droit de manger ces parts, il n'y a pas de gdoucha dedans. C'est juste des dons qu'on me fait au Kohen, et le Kohen après, il peut faire ce qu'il veut avec. Donc il peut décider de me les revendre. Donc en fait, moi, je lui dis, je te les donne, mais sois sympa avec moi, ça vaut le coup pour toi. Achète, et comme ça, moi, le mois prochain, je te reprends nouveau, je te redonnerai de nouvelles parts, comme ça, je te les rachèterai ensuite. D'accord ? Il y a des moyens, de permettre. C'est discuté, c'est controversé, tout ça. Maintenant, vous imaginez bien, avec des pertes, comme je vous ai dit, des pertes de... imaginez, il y en a pour 300 shekels de viande, 200 shekels de viande, même que 200 shekels, disons, parce qu'on est encore en gros et tout ça. Imaginez 200 shekels de viande quand on égorge 200 vaches, ça fait du 40 000 shekels. Je comprends qu'il y a ici une grande tentation, une grande... D'accord ? On revient maintenant sur notre sujet concrètement. Ça, c'était un petit dû que j'avais envers vous. J'essaie maintenant d'aller plus vite. On va parler maintenant dans notre première partie de la Mishnah, d'une halakha particulière. Pour ça, il faut que je fasse une petite introduction. L'halakha du Bechor.
les béchors, c'est les premiers-nés mâles des vaches, des moutons et des agneaux. D'accord? Peter kol chem yom Israël, badam ou vabehemal, ils appartiennent à Hachem, on doit les donner au Kohen. Qu'est-ce qu'il fait le Kohen avec cet animal? Alors, tant qu'il est kadosh, il doit l'amener au Bet-Amigdash et il en fera un korban, il le mangera lui avec sa famille. À notre époque, il n'y a plus de Bet-Amigdash. La Kdoucha est quand même sur le korban. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il attend que le temps passe et qu'il va avoir une blessure. Il va avoir un moum, ce qu'on appelle un moum. Et donc, puisqu'il va devenir invalidé à être consommé au Bet-Amigdash, il va pouvoir lui le consommer maintenant en consommation personnelle profane. D'accord? Il n'y a plus de Kdoucha, il le gorge à lui, il le mange à la maison. Dès lors, s'il veut, il peut même me le donner à moi qui suis en Israël. Il peut même le donner, je le mange, ou bien il peut même me le vendre aussi. Et je peux décider, je peux l'acheter, il n'y a aucun problème, il n'y a plus de Kdoucha. Dès qu'il y a eu le défaut qu'il y a eu sur le Bechor, qui est venu, la Kdoucha, elle a disparu. C'est juste resté un bien en Kohen, un bien qui appartient au Kohen. Donc le Kohen, il peut me le vendre. D'accord? Dans notre Mishnah, on parle de ce cas particulier en fait. Une fois que j'ai racheté un Bechor qui avait un défaut à un Kohen. D'accord? Il y a une halakha particulière, c'est que le Bechor, maintenant, il est bien évidemment dispensé des Zora Lechaim Vekeiva. C'est une règle que En Kdoucha, Khalal Kdoucha, il rapporte le Barthénora. C'est-à-dire, étant donné que le Bechor, il a déjà été Kadosh, même si maintenant il a eu un défaut, il n'est plus Kadosh. Mais malgré tout aussi, si je rachète ce Bechor d'un Kohen, En je le gorge, j'ai pas besoin de donner les Matanot. Ouais, retenez le mot, les Matanot, c'est autre chose. Zora Lechaim Vekeiva. J'ai plus besoin de donner les Matanot au Kohen. D'accord? Ça, c'est une halakha. Maintenant, la Mishnah, elle va même pas nous le dire, elle va nous dire ça encore plus loin. Si j'ai racheté cet animal-là, et que maintenant, il s'est mélangé au milieu de 100 animaux même, qui appartiennent à 100 personnes. On va prendre ce cas-là, pour le moment, c'est le premier cas de la Mishnah, ça appartient à 100 personnes différentes. Et il y a aussi, en plus de ça, un Bechor à moi qui s'est mélangé. Chacun, on était là, on faisait le tour chez le Chochet, on attendait chez le Chochet pour qu'il égorge tous nos animaux. Chacun était venu avec son mouton. Moi, j'avais mon mouton Bechor, racheté du Kohen. Et chacun avait un mouton profane. Ils avaient la même tête, on ne peut pas les différencier. D'accord? Et on les a tous mis dans un enclos, ils se sont tous mélangés, on ne sait plus qui est le mien, qui n'est pas le mien. Et maintenant, le Shochet, il va les égorger un après l'autre. Et bien, toutes les béhémotes, ils seront dispensés de donner le Zroa Lechaim Bekeiba. Pourquoi? Pour quelle raison? Pour la simple raison que chaque fois qu'il va égorger l'animal, il va égorger l'animal de Réhouven. Réhouven, il va lui dire, mais finalement, peut-être qu'en ce moment, celui-là, c'est le Bechor, en fait. Et si c'est le Bechor, je ne vais pas te donner le Zroa Lechaim Bekeiba. Peut-être oui, peut-être non. Chaque fois qu'on a un doute dans les dîners d'argent, dans les chôtes d'argent, si tu les réclames, tu dis que ça te revient de droit, prouve qu'en ce moment, on est en train d'égorger un animal profane. On ne le reconnaît pas. Peut-être qu'en ce moment, c'est le Bechor. Et qu'il ne t'appartient plus. D'accord? Après, ça va être le Chochet qui va maintenant égorger le mouton de Shimon. Le Cohen, il va dire, bah, ça y est, tu me le donnes, et Réhouven, c'était lui qui avait le Bechor. Shimon, il va dire, non, pas du tout. Réhouven, va voir, c'est lui qui a pris l'animal profane. Moi, ça se trouve, j'ai le Bechor en ce moment. Et idem, quand ça va être Lévi, Yehuda, Dan, Naphtali, Gadash, Ressachar, Zolim, Savidamine, jusqu'à les 2 ans, chacun, il va balader le Cohen, il va lui dire, écoute, moi, peut-être que c'est le Bechor. Dans le doute, tu peux pas retirer les matanot de ma part, d'accord? C'est la Mishnah qui m'enseigne ça. Bechor, Shinita, Arev, Bemea. Un Bechor, comme je vous expliquais, c'est Bartendra qui explique. Longuement, pourquoi est-ce qu'on parle que de ce cas précis où on a donné le Kohen, le Bechor au Kohen et qu'il y a eu le défaut, que le défaut est revenu et que je l'ai racheté. Alors, en tout cas, ce Bechor là il se mélange au milieu de 100 animaux. Bisman, Shemeha, Shochatin, Adkulan. S'il y a 100 personnes qui vont les égorger, en réalité, on parle même une personne qui va égorger les 100 animaux qui appartiennent à 100 personnes différentes. C'est l'intérêt, c'est le but. Potrin, Adkulan, et bien on dispensera tout le monde de donner les matanotes parce que dans le doute, Amosim, Rabarola, Avaraya. C'est clair? Par contre, Echad, Shochet, Et Kulan, si c'est une seule personne qui les égorge tous parce que ça appartient à un seul troupeau, alors là, Potrin, Lo, Echad. Alors dans ce cas-là, si le troupeau, les 100 animaux appartiennent à une, les 100 animaux appartiennent à une personne, eh bien dans ce cas-là, le Kohen va venir, il va dire, écoute, mon ami, parmi tous les 100 moutons que tu as égorgés, il y en a 99 que tu dois me donner le Zroa Lechaim Vekeiva. Tu dois me donner les Matanot. D'accord? C'est clair? C'est évident, c'est simple. On a tout compris. On avance maintenant. Ashochet la Kohen Valanochi, celui qui égorge un animal qui appartient à un Kohen ou un Nochri. Attention, ne traduisez pas celui qui égorge pour un Kohen ou pour un Nochri. C'est-à-dire, à exclure. Je ne suis pas en train d'égorger moi mon propre animal qu'ensuite je vais le vendre à un Kohen ou à un Nochri. Parce que si je fais ça, je suis chayav de Zroa. On parle d'un animal qui appartient au Kohen ou à un Goy. Et qu'il me le donne pour moi que je fasse à la Shrita. C'était fréquent même à l'époque de la Gemara que les Juifs égorgeaient des animaux. Des goïms. D'accord ?
C'était un travail de juif d'égorger, il y avait le shochet. Donc, Ashochet la Kohen Velanochri, celui qui égorge un animal qui appartient à un Kohen ou à un Nochri, eh bien, pas tout, mais dans Matanot. C'est normal, la Torah elle insistait. Minaham, il faut donner du peuple. Le peuple, il donne au Kohen. Mais le Kohen, il ne se donne pas à lui ou à son ami Kohen. Idem aussi pour un Goy. Aussi, il n'a pas de mitzvah de donner. Donc, pas tout, mais dans Matanot. Ou encore, Ve'amishtatef imahen tsarich sheyirchom. Celui qui s'associe avec eux, il faudra qu'il marque l'animal. C'est-à-dire, on explique très simple. D'abord, il manque une petite introduction, en fait, c'est que si je suis moi-même associé avec un Kohen dans un animal, on a un troupeau en association, puisque le Kohen, il a une part dans les... ça appartient partiellement même au Kohen, et bien tous les animaux seront dispensés du Zroa, l'Echaim et Keiva, et entre parenthèses, c'est une autre solution proposée à notre époque encore, pour contourner les dépenses onéreuses de ces matanotes. Mais quoi, il y a quand même une condition. Tsarir Shirchom, il faudra marquer sur l'animal, faire une différenciation, que tout celui qui va voir que j'ai égorgé sans donner le matanot, qui va ensuite comprendre pourquoi je ne le donne pas, parce qu'en réalité, je suis associé avec un Kohen. D'accord? Ensuite, on continue. Veimamar Chutz Min Amatanot, Patur Min Amatanot. Si maintenant, on va parler du cas où le Kohen, le Kohen, il m'a vendu un animal, une vache. Et il m'a dit, mais attention, je te la vends, mais le Zroa Lechaim Vekeiva, donc les matanotes, elles restent à moi. Donc ça reste au Kohen. J'ai acheté tout le reste de la Bema sur cette chose-là. Eh bien, pas tout, mais dans matanotes, je serai dispensé de donner, bien évidemment, les matanotes. Je n'ai plus besoin de donner, puisque ça appartient déjà au Kohen. Ok? On continue. On parle maintenant d'un autre sujet. Et on va parler, en fait, je vous fais une introduction à l'oral, après on découvre ça dans les mots, ça ira plus vite. On va parler maintenant de je vais. Chez le boucher, acheter le boucher qui a égorgé l'animal, je vais chez le boucher pour acheter de la viande. Je lui demande, tu sais quoi, tu peux me donner tous les intestins pour 500 shekels. Tu me donnes tous les intestins, toute la totale, quoi. Ça inclut en fait même l'estomac, ce qu'on appelle en bon hébreu les bnei me'ahim, toutes les tripes, avec l'estomac. Tu me le vends pour 500 shekels. Il s'avère qu'en fait le vendeur, le boucher, est en train de faire une erreur parce que la partie de l'estomac, ça revient au Kohen. On n'a pas le droit de le vendre. Ouais. Donc la question, en fait, elle va être que lui, le boucher, il a fait une grave bêtise, c'est un voleur, c'est ce que vous voulez, il m'a vendu le tout. La question maintenant, elle est que moi, qui achète l'animal, donc c'est cette part-là, je vais devoir donner, moi, quoi qu'il arrive, je vais devoir rendre au Kohen, donner au Kohen ce qui lui revient. Retirer l'estomac et le donner au Kohen. La question, elle est combien je vais devoir payer au boucher ? On exprime ça avec des chiffres. Il y en avait pour 500 shekels, je sais pas moi, 200 shekels de viande. J'ai dit, je t'achète à 200 shekels toutes les tripes. Maintenant, dans les 200 shekels, il y a, j'ai aucune idée des poids, mais la moitié du poids, disons, ça pèse 10 kilos, eh bien, il y a 5 kilos pour l'estomac et 5 kilos pour les tripes. Et je dis, je te paye ça 200 shekels. La question, c'est ensuite, donc j'ai acheté ça, maintenant... Le rave qui était à côté, il me dit, mais ça fait une bêtise, l'estomac, il faut le donner au Kohen. J'ai dit, bon, ben, je vais le donner au Kohen. Combien je dois payer, moi, maintenant, de viande au boucher? Je dois lui payer que les 5 kilos qui me sont restés dans la main, ou je dois lui payer le prix qu'on a fixé, on a parlé de 200 shekels. Et c'est là, la Mishnah, elle va m'expliquer ça comme ça. Elle va me dire, ben, ça dépend. Si tu as fait un prix global sans préciser au poids, eh bien, tout juif sait bien que l'estomac, il faut le donner au Kohen. Donc en fait, quand tu as dit que tu vas payer 200 shekels toutes les tripes, tu voulais dire en fait, tu payes 200 shekels pour les intestins uniquement, et pas pour l'estomac. Puisque l'estomac, tu ne devais pas le garder, tu as fixé 200 shekels. Donc ton intention, c'était de payer 200 shekels pour ce qui est mangeable, et le reste, tu le donneras toi au Kohen, parce que tu as un devoir de rendre au Kohen ce qui lui revient. Mais si tu as acheté au poids, et tu as dit, attends, on va fixer, je vais te payer 20 shekels le kilo, et il y a 10 kilos, et il s'avère qu'en fait, une fois que tu as pris la totale, avec les tripes et l'estomac, on te dit, mais non, il y a 5 kilos que tu dois donner au Kohen. En fait, le voleur, c'est lui, c'est le boucher qui a volé. Le boucher, lui, il avait ce devoir de donner les 5 shekels, donc en fait, à moi, il m'a vendu que 5 kilos, donc je ne lui paierai que 100 shekels et pas 200 shekels. Et la Mishnah me dit ça comme ça dans les mots. Amar mechor li bne me'eha shel para. Il a demandé au boucher, vends-moi les tripes avec l'estomac de la vache. Et il y avait dedans la part des matanot, donc l'estomac. Donc, Nan la Kohen, il devra les donner au Kohen,
Et il ne déduira pas de la somme qu'il doit payer. Parce qu'elle est fixée en prix global. Par contre, la kachemenu bemishkal, s'il a pris la viande au poids, il a pris toutes les tripes, l'estomac avec les intestins et tout ça, et l'a fixé au poids. Je te paye 20 shekels par kilo. Eh bien, et après finalement il a pris tout ça, il a pesé, on a dit ah, 200 shekels. Après il dit, mais attends, l'estomac il faut le donner au Cohen. Donc il le prend et le donne au Cohen. 5 kilos de moins, il reste que 5 kilos de tripes, qu'est-ce qu'on va payer? Eh bien, notre nan la Cohen, il devra donner l'estomac au Cohen, parce que c'est un vol, c'est du vol, c'est quelque chose qui appartient au Cohen, il faut le lui rendre. Mais au menakel, au menadamim, mais lui déduira de l'argent, il lui donnera pas l'argent pour les 10 kilos qu'il a acheté, mais que pour les 5 kilos, même mieux que ça. S'il a déjà payé, il devra récupérer l'argent. Il amènera au Beddin, et le Beddin tranchera au tabar, au boucher, de rendre la valeur des 5 shekels que coûtaient des 5 kilos qu'on a dû donner au Cohen, parce que ça n'a pas été vendu. Le tabar, c'est un voleur. C'est comme si j'ai pris l'objet de Réhouven et je vous l'ai vendu. Je l'ai vendu à 100 shekels. Et vous réceptionnez l'argent, puis après on découvre qu'en fait j'ai volé l'argent, l'objet de Réhouven. Eh bien, la halle me dit de faire quoi? Tout simplement, l'objet vous le rendez à Réhouven, et moi je dois vous rendre 100 shekels. C'est exactement ce qui se passe ici. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de la sacha kol tov. Salam.